Salut à tous, comment allez-vous? Moi je vais super bien, donc je suis de retour sur Accident. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est un jeu de simulation dans lequel on incarne un intervenant sur un lieu d'accident. Et bien évidemment, on doit s'occuper de sécuriser le lieu et des civils, tout en appelant les urgences. Bien évidemment, on est aussi détective, on doit savoir récupérer des indices pour comprendre comment a eu l'accident. Un nouveau cas d'accident est sorti le 20 septembre 2021. En plus de ça, il y a la cinématique pour savoir comment a été provoqué l'accident. Franchement, c'est pas mal. Je vous en dis pas plus et je vous dis à tout de suite pour le gameplay. Alors, nous allons faire un nouveau cas d'accident. Alors, cas d'accident. Incident ferroviaire, région Moravie-Silésie, République tchèque. Ça, c'est le lieu, la date, juin 13 2018, l'heure midi, à midi pile. Le premier intervenant, c'est Vojtek Zvek. Et les victimes sont Miroslav Dvorak, Franz Tezajk, Freitz et Peter Midzek. Je sais pas si je le prononce bien, mais voilà. Donc allez, c'est parti, on y va. Alors c'est parti, éteignez le feu. Ok. On va mettre les feux de détresse. On y va. Attends, j'ai un téléphone portable. Est-ce que je peux appeler? Oh bah plus de batterie, ok. Alors attendez, je vais prendre l'extincteur. Apparemment il y a le feu. On y va, hop, ferme la porte. Allez c'est parti. On va éteindre le feu. C'est bon, feu éteint. Alors, monsieur, je peux ouvrir? Qu'est-ce qui se passe? Appelez les services d'urgence. Ouais, d'accord. Il a pas de téléphone, lui? Ok, y'a rien. Attends, on va aller par là. Qu'est-ce qu'il a, lui? Rien, ramasser. Ok, on va prendre la trousse au cas où, vite fait. Est-ce qu'il a quelque chose par là? Non, rien. Qu'est-ce qui se passe par ici? On va aller voir vite fait par là. Alors c'est la première fois que je fais de la mission, donc le cas d'accident, donc je sais pas du tout où il faut aller. C'est quoi ça? On peut rentrer là-dedans ou pas? Ok, on peut pas rentrer. Le train, il est arrivé de par où? Il a l'air d'être arrivé par là. Ah, il a dû faire ça. Chut, ok. Donc on va aller voir par là. Qu'est-ce qui se passe par là? Il est où le... Elle est où la locomotive? Elle est là. Ok. Est-ce qu'on peut ouvrir là? Ok, y'a rien. Aïe. Ah. Allez, on se dépêche. Qu'est-ce qui se passe? Alors. Oh, y'a une radio. Bon, on va la prendre. Je vous remercie, j'informe les services d'urgence en ce moment même. Maintenant, s'il vous plaît, restez là et essayez d'aider les... Je vais vous... Les civils, je vais dire, je vous aider. Commencez à sécuriser la zone, tournez le contact de la voiture et placez les triangles de prisonniers sur la route. Ok. Ensuite, vérifiez tous les civils, votre localisation précise et revenez me voir. Ok, on va essayer de se dépêcher. Alors. Coupez le contact. Oh merde. Alors, on va couper le contact. Bon,
Marquer le lieu d'accident. Ok, c'est parti. Triangle, triangle. Hop. Ah, d'accord, on peut pas aller par là, donc il n'y a pas le marquage. Il n'y a pas le marquage, donc il faut que je... Ah ouais, d'accord, faut que j'aille là-bas. Vite, 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 on va essayer de se dépêcher. Ok, c'est bon. Vérifiez votre position exacte, vérifiez tous les civils. Vas-y, on va vérifier lui au premier. Hop. On secoue. Monsieur, vous m'entendez? Merde. Détachez la ceinture, ok. Hop. On voit qu'il y a une plaie. Est-ce qu'il respire? Il respire. Vite, on va aller voir les autres. Attends, est-ce qu'on peut... Voilà, bon, on va d'abord s'occuper des civils. On va d'abord s'occuper des civils. Allez. Hop, c'est parti. Monsieur. Alors, ce coup. Vous m'entendez? Ça répond pas. Ok. Lui. Ok, vous m'entendez? Ça répond pas. On met la tête en arrière. Il y a une plaie ici. Est-ce qu'il respire? Il respire. Alors, vérifiez votre position. Est-ce que je peux appeler avec la radio? Non. On va vérifier la position. Je pense qu'on va aller dans la voiture. Je pense que c'est ça. Vérifiez votre position. On va aller dans la voiture, je pense que. Voilà, ça c'est bon. Voilà. Hop, alors. Transmettez l'information au service d'urgence. Donc vu que j'ai plus de téléphone portable, on va utiliser la radio, bien évidemment. Plus de batterie, ça c'est con par contre. Voilà. Transmettre l'info. Je remercie la police et l'ambulance sont déjà en route. Ok. Si vous pouvez essayer d'aider l'homme dans le véhicule, revenez si quelque chose change. Ok, on va essayer d'aider l'homme dans le véhicule. Aider les... Ok, on va, on y va. Allez, enfonce, enfonce. Allez, allez! Peux pas courir plus vite là? On peut pas l'aider? Merde. Je peux pas l'aider lui. Ah bah attends, bah, j'aurais pas du coup sortir, hein. J'aurais dû commencer par eux. Vas-y, hop. Ah, hop. Vite, 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 vite. Allez, c'est parti. Alors. Vite. Hop. Hop. Je pense qu'on va devoir lui faire un massage cardiaque. C'est parti. Merde. Hop. C'est bon. Ah, faut que je fasse du bout sa bouche. Oh merde. Il respire. Ok. Transmettez l'information. Mettez-les en position latérale et sécurisez en attendant l'ambulance. Ok, position latérale, vite. Ok, les jambes. Bon. Voilà. Là, je me suis occupé d'une seule victime. Oh, le bruit de la sirène. Alors, on va trouver des indices. Nous, alors, découvrez la cause. Rassemblez tous les indices. 4. Ok, remettez les événements dans l'ordre comme, ouais, comme les autres fois. Alors, sandwich.
Sandwich mordu. Collision provoque l'étouffement du second conducteur avec sa nourriture. Oh ouais, merde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Sang de la console. Le conducteur de train heurte la console. Ok, donc il s'éclate la gueule là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres indices par ici? Est-ce que je peux passer par là ou pas? Ok. Non, donc pas là. Porte verrouillée, ok. On va essayer de voir ce qui se passe. Parce que là, on va aller voir le mec. Attends, on va fermer le coffre quand même. On va fermer le coffre. Hop, vas-y, on ferme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, une bosse. Le van est heurté par le train. Ok. Donc, il reste encore un indice. Alors pourquoi? Ah, barrière, indice insuffisant. Barrière insuffisant. Barrière insuffisant. Ah, il a dû avoir un défaut. Ah ouais, d'accord. Oh la vache. Ah ouais, en gros, il y a un défaut de fusible et la barrière s'est pas fermée quand le train est passé. Oh la vache, ah ouais. Ah, c'est chaud quand même. Ah, maintenant, c'est facile à le faire. Hein. Donc, en gros, on va dire qu'un fusible a cramé. Voilà, une barrière ne fonctionnait pas à cause d'une boîte de fusible brûlée, ok. Le train a heurté, le van est heurté par le train. Le conducteur, voilà, le conducteur de train heurte la console et collision provoque, et bien évidemment, collision. La collision provoque l'étouffement du second conducteur avec sa nourriture. Voyons, putain, qu'est-ce que c'est ? Alors, collision a provoqué de nombreux traumatismes aux organes internes. À son arrivée à l'hôpital, il a été envoyé directement aux urgences et a subi une longue et délicate opération. La convalescence a été lente et douloureuse, mais grâce aux compétences et à l'expertise du personnel médical, il a fini par se rétablir. Ok. Francine Sanfrins. Heureusement pour Franstein, il souffre qu'une légère commotion cérébrale. La blessure superficielle sur son front rapidement guérie et après une semaine de l'hôpital a pu rentrer chez lui, ok. Peter a failli suffoquer lorsque le morceau de nourriture s'est coincé dans ses voies respiratoires. Heureusement pour lui, vous avez été sur place assez tôt pour l'aider. Il a repris conscience peu après son arrivée à l'hôpital et est reparti quelques jours plus tard. D'accord. Ah d'accord. Bon bah écoute, tout le monde va bien en fait. Donc voilà, j'espère que ce gameplay vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les autres que j'ai fait il y a un petit moment. Un grand merci aux nouveaux abonnés. Un grand merci à ceux qui sont abonnés depuis un moment. À ceux qui me suivent, à ceux qui me soutiennent. Merci beaucoup à vous. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.